Et salut à tous, vous voyez l'image de fin du précédent, on se retrouve du coup pour la suite. Et du coup, bah de Doom Eternal, évidemment. Vous savez pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Allez, on continue avec la mission suivante. Le docteur Eden est le Séraphin. Il était avec nous pendant tout ce temps. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas la peine. Vous devez voir ça parce que il ne va pas bien. Il lui arrive quelque chose et personne ici ne sait ce qui se passe. Bien, à vrai dire, nous ne savons pas encore. La sphère de Vilupel se trouve au sommet du Sanctum des Morts, dans les marais de soins infernaux. Mon corps, il subit une rapide transfiguration. C'est pourquoi j'ai besoin du Père. Bannez la tombe et emparez-vous de la sphère de vie du Père. Redonnez-lui enfin sa forme physique. Je ne vous accompagne pas. Les Bakers ne peuvent pénétrer dans le royaume de ténèbres. Alors je vous attendrai au Sanctum. Le Séraphin ne peut pas s'emparer de la sphère. Ça lui est interdit. J'ai l'emplacement des marais de sang en ligne. Soyez reconnaissants. Malgré vos transgressions, vous avez de nouveau l'honneur de servir les dieux. Alors, on est... On est dans la base. Trop bon. Et rien à explorer. J'avais adoré la précédente base, on y avait trouvé un robot géant, bordel! Je veux le robot. Je veux ce robot. Je veux jouer à Doom dans ce robot contre un démon géant. M'avait tellement vendu du rêve. Alors, Uxectic, on est. Eh ben, ça a l'air grand, avec plein de choses à découvrir. Ah, je vois que votre mission est de détruire la sphère, pas de la récupérer. Monsieur, ce n'est pas ce que le docteur Hayden, le Séraphin, vous a demandé, monsieur. Les marais de sang. Un cloque nauséabond et malsain, rosé de pluie acide, nanana. Bon. Pardon, j'ai un peu le hoquet. Ah. Ah mais ça se régénère. Là-bas, ça se tire dessus. Des objets par ici. Voilà.
Alors. Ça va être un peu compliqué. Trouver des objets cachés. Donc. Y a un gros qui va arriver. Alors, puis l'autre derrière qui revient. Oh putain. Tac, allez, 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 allez. Alors, il y a un truc en haut, il faut l'atteindre. Il y a un truc caché ici. Plusieurs choses. Plusieurs solos dans la zone. Et une clé. Alors, il y a des trucs à récupérer en hauteur, en hauteur. Et également ici.
Alors. Celle-là, c'est fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a autre chose de l'autre côté. Ça s'ouvre pas. On a passé l'étape Mario. On a passé l'étape Mario, ce qu'on veut c'est aller là-haut. Et là il y a plein de choses. Il y a plein de choses ici. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai retrouvé là? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ok, bon. On va s'épargner de la lecture. Et on doit aller... On doit aller là-haut. Donc, là, je peux pas y aller. Très bizarre. J'observe la zone là un peu, mais... Ou sinon, oui. Ah bah oui, peut-être. Peut-être quelque chose. C'est ça. Et là, on se retrouve au niveau de la carte.
Alors ça donne quoi la carte? D'accord. Ah, on n'a pas tout vu du tout, hein. Il en reste. Donc là, on a de quoi monter. Le fusil à plasma, le fusil à plasma. Yes. C'est ça? J'ai tout fait comme il faut? Ah, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un crâne pour ouvrir une zone. Ils font peur ces trucs-là. C'est la clé qui ouvre l'accès à la tombe du père. D'après nos données, elle devrait être sur la crête d'une montagne juste après cet hôtel. C'est l'origine du royaume du père. Ok. Et ça pue un peu du fion ou c'est moi? Ah vraiment, ça sent mauvais cette zone. Ok. Et bah, du coup, ce sera fin de l'épisode là pour celle-ci. Et je pense un épisode par zone. Ça me semble bien. Par épreuve. Voilà, allez, je vous dis bisous à tous!